Et coucou les amis, Elisa Woodis de la Woodis Family, l'outil d'organisation qui va vous permettre de ne plus répéter 10 fois, 100 fois, 1000 fois les mêmes choses à vos enfants chaque jour. Voilà, donc peut-être certains même l'ont déjà. Eh bien, félicitations, vous avez fait un bon choix. Vous prenez soin de votre famille et je suis vraiment contente de tout l'impact que ça a déjà chez vous. Pour ceux qui ne l'ont pas encore, eh bien vous pouvez l'avoir sur woodisfamily.com tout simplement. Voilà, et vous choisissez ce qui est adapté à votre famille. C'est formidable puisqu'on a fait tout sur mesure. Donc vraiment pour que toutes les familles puissent l'avoir et puissent en profiter. Et pour tout conseil, n'hésitez pas à nous demander des conseils sur le contact@woodisfamily.com. Je voulais vous parler aujourd'hui des langages de l'amour parce que c'est très très important et ça facilite tellement la vie au quotidien de chaque famille quand on sait comment l'autre attend d'être aimé. Donc, par exemple, moi j'ai deux enfants, deux fistons, et ils ont deux langages différents de l'amour et mon mari il a un autre langage aussi. Et j'ai découvert que mon plus grand aimait beaucoup les cadeaux. Et quand on lui fait des cadeaux, eh bien lui, il se sent aimé. C'est sa façon à lui de se sentir aimé. Mais c'est pas tout. Il aime aussi les moments privilégiés. Il aime qu'on s'arrête avec lui et qu'on passe un temps privilégié avec lui. Donc quand il rentre à l'école, un petit peu avant son frère, parce que bon, lui est au collège par exemple, eh bien on fait un goûter ensemble. Ou bien il nous arrive de nous arrêter, de boire un thé à la boulangerie. Ça peut être un temps sur le canapé où on va parler ensemble. Ou simplement, voilà. C'est savoir se poser et accorder de l'attention. 1 minute, 2 minutes, 10 minutes, 1 heure. Peu importe le nombre de temps. Le temps, n'importe peu. C'est plutôt la qualité du moment que vous allez passer avec cette personne. Puisque c'est comme ça qu'il se sent aimé. On s'arrête, on l'écoute. Même si ça dure 1 minute, c'est sa façon à lui de dire « Waouh, on a prêté attention ». Puis si vous lui accordez 1 heure, 2 heures, 3 heures, 1 journée, alors là, c'est « Waouh ». Il se sent vraiment important pour vous et il se sent aimé. Mon plus petit, lui, il a un autre langage de l'amour. Je vous en ai déjà cité deux. Les temps de qualité et les cadeaux. Le plus petit, il a 9 ans. Lui, ce qu'il aime beaucoup, c'est les câlins. Il a besoin de câlins. Il se lève, il me dit « Maman, je veux un câlin ». Et puis, de temps en temps, dans la journée, il a besoin d'être rassuré, réconforté. Il a besoin de sa dose de câlins. Hop, il vient dans vos bras. Oui, il vous cherche, il est autour de vous. Voilà, il a besoin d'un câlin. Donc, simplement, vous pouvez lui aussi, des fois, c'est difficile de prendre dans les bras. Mais simplement, vous pouvez lui prendre la main. Vous pouvez lui faire une petite caresse en passant. Vous passez à côté de cette personne qui est assez tactile, hop, vous lui faites une caresse, vous posez la main sur son bras, sur son épaule. Ça va dépendre en fait aussi du rapport que vous avez avec cette personne. Ça peut être avec justement avec vos parents, avec des collègues de travail, etc. Si c'est leur façon de se sentir aimé, c'est important en fait de découvrir quelle est leur façon d'être aimé. Et puis ça permet d'avoir une relation beaucoup plus sereine avec les personnes et beaucoup plus sympathique, profonde. On approfondit la relation et on crée de la valorisation, on crée de l'harmonie dans la relation en fait. Voilà. Donc c'est son langage principal à mon petit. Il aime aussi les cadeaux. Voilà, il aime aussi les cadeaux. Ils aiment tous des temps de qualité. Il aime aussi, hein. Mais vraiment, ce qui ressort le plus, lui, c'est l'affection physique. Mon mari, lui, c'est encore un autre langage. Pour vous dire qu'on est obligé de travailler sur tous les langages. Et il faut le faire volontairement. C'est-à-dire que moi, mon langage d'amour, c'est encore un autre. Donc, mon mari, lui, ça va être les paroles valorisantes. Voilà, il va falloir que je lui dise « Waouh, ça te va super bien comme t'es habillée. Merci, c'est super, tu m'as aidée. J'ai remarqué que tu t'es occupée là de payer la cantine du petit, admettons. Ou ça peut être « Je trouve que vraiment tu es un bon papa. » Alors là, c'est d'extase. Ça peut être que tu es un bon mari aussi. Ça peut être des paroles qui vont le valoriser, où ils vont se sentir waouh, j'ai fait quelque chose de bien, elle a vu ce que j'ai fait,
merci, tu as mis ton linge au sale, merci, tu as débarrassé la table alors que normalement c'est plutôt à moi de le faire. Enfin, voilà, tu as devancé un besoin, tu as eu une initiative, merci. Donc ça, c'est super important de le faire volontairement, parce que moi, comme ce n'est pas mon langage, je ne le fais pas naturellement. Donc je vais me concentrer aujourd'hui, je vais dire tiens, je vais essayer de parler à tous ces langages-là, à mon fils, à mon mari, à mon autre enfant, à mon autre fils. Et puis pour moi, c'est encore un autre langage. Et puis on arrive en fait aux 5 langages pour vous dire que moi, je suis dans les services rendus, beaucoup. J'aime quand mon mari me rend un service. D'ailleurs, je l'ai dit sans le vouloir, vous voyez, je vous ai dit, ah, merci, il a fait la table sans que je lui demande, etc. Voilà. Et alors que normalement, c'est à moi de le faire, admettons. Donc, je suis dans les services rendus. Ça peut être prendre un rendez-vous, ça peut être un service rendu, ça peut être tellement de choses. Voilà. Et c'est ma façon à moi de me sentir importante pour la personne. Tu vois, il a pris du temps, il m'a rendu un service. Vous savez, mes enfants, même, ils connaissent mon langage d'amour. Et mon grand, eh bien, il aime me rendre des services. Il me dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et donc, voilà. Donc, et je trouve ça très, très agréable de pouvoir compter sur mes proches, ma famille, etc. J'en ai d'autres, des langages d'amour. Bien sûr que j'aime les câlins. Moi, j'aime aussi les paroles valorisantes. J'aime aussi les cadeaux. J'aime beaucoup les cadeaux. Et je fais énormément de cadeaux. J'aime ça. Quand je vois des choses, quand je me promène, etc. Et je vois, ah, ça c'est pour un tel, ah, ça c'est pour un tel. Voilà, et j'aime ça. Et j'aime le plaisir des personnes à découvrir des cadeaux. J'aime faire des cadeaux. Voilà, donc on a fait les 5 langages de l'amour, hein, je les renomme. Faites très attention de le faire volontairement. Volontairement, vous allez chercher, tiens, mon enfant, mon mari, mon voisin, ma compagne, mon collègue de travail, quand est-ce qu'il se sent apprécié, et quand est-ce qu'il réagit à quelque chose que vous faites pour lui. Eh bien, faites attention faites en sorte de parler les 5 langages avec cette personne pour découvrir à quel moment, hop, tiens, il y a quelque chose qui s'est passé. Et finalement, apprendre à aimer les gens. Et les gens vont le faire aussi envers vous. Et les personnes, envers vous, ils utilisent leur propre langage souvent. Si quelqu'un vous fait souvent des cadeaux, eh bien c'est certainement que lui, il a ce langage-là. Il aime les cadeaux. C'est comme ça qu'on le détecte aussi. S'il vous dit régulièrement, « Waouh, c'est super comme t'es coiffée, t'es vraiment belle aujourd'hui, tiens, t'as bien travaillé », eh bien, c'est sûrement qu'il est dans les paroles valorisantes. C'est comme ça qu'on les repère. Donc, voilà. Et puis, je vous dis, hein, volontairement, vous décidez aujourd'hui de parler le langage de la personne qui est à vos côtés et ça va tout changer. Et exprimer simplement. Ah ben moi, tu sais, j'aime bien quand je me sens beaucoup aimée quand on me fait ça, quand on me dit ça, ou quand on me rend un service. Et du coup, vous apprenez aussi à vos proches votre façon d'être aimée parce qu'ils ne le devinent pas. Et voilà. Donc tout est dans la communication, encore la relation. Donc je vous invite à communiquer encore davantage. Donc les langages de l'amour, il y en a 5. Les cadeaux, les services rendus, les paroles valorisantes, les temps de qualité et les câlins. Voilà, le toucher, tout ce qui est du toucher. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous apporte quelque chose. Et puis, bah, n'hésitez pas à mettre vos commentaires, vos questions, vos likes et vos partages si vous pensez que ça peut apporter à d'autres personnes. Je vous embrasse et je vous dis à très très vite sur la woodisfamily.com.